Mr. Honeymoor. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, une série que j'ai envie de faire tout le long de l'année sur BO4, les défis impossibles à réaliser. Ça va être quoi des défis impossibles? À partir du moment où il y a une classe qui est vraiment trop compliquée à faire, etc., etc., je vais m'amuser à lancer des défis sur Twitter, par exemple, quelle est selon vous la classe la plus bidon que possible sur Call of Duty Black Ops 4, la pire des classes? Et c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui avec la classe que Asphyxie m'a passée sur Twitter. Alors, sache une chose, Asphyxie, je te déteste, d'accord? Que tu le saches, je ne te souhaite pas du bonheur et toi et ta future génération. Bien évidemment, je rigole, c'est de l'humour, étant donné que je le connais. Donc, avec la Spitfire, tir rapide, donc le mode opérateur de la Spitfire, un bazooka, surcalençage, charge d'équipement, mais en fait, c'est simplement surcalençage, hache de combat, donc deux tomahawks. Sang-froid et lien d'équipe. Alors, je vous cache pas que ça a l'air d'être une bonne classe de merde, hein, je vous le cache pas. Mais le but, ça va pas être de mettre des nucléaires, non, parce que des nucléaires, c'est bon, j'ai choisi certaines classes et puis j'ai réalisé mes nucléaires, c'est pas le plus important. Et là, ça va être réaliser, essayer de réaliser une bonne game avec ce genre de classe bien pourrave. Tu vois ce que j'essaie de dire? Et ça va être les défis un peu impossibles. Alors bien évidemment, je vais partir en MME, parce que sinon, la domination, ça va être une lente et douce agonie. Imagine-toi quelqu'un qui est en train de te mettre un pylône dans le cul, et que petit à petit, bah, ça, plus ça avance et plus tu souffres. Bah... Ouais, je sais, cette vidéo va être démonétisée pour insulte, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, dernière des choses, abonne-toi si tu es nouveau, on est bientôt aux 100 000 abonnés. Bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, ça fait tellement plaisir, donc abonne-toi. Et si vous voulez de nouveau ce genre de concept de vidéo, écoutez, à partir de 1000 likes, je pense qu'à partir de 1000 likes, je ferai un épisode 2, même si j'ai d'autres idées de vidéos en tête, donc on aurait déjà 5 pour ce genre de vidéo, ça, qui pourrait être assez marrant, mais de toute façon, je pense que vous aimez me voir galérer, même si vous aimez bien voir des nucléaires, etc., de temps en temps, vous aimez bien me voir galérer, je pense que là, ça risque d'être intéressant. Pour une fois qu'à Morocco, et que je n'ai pas décidé de quitter, parce que Morocco, c'est plutôt à l'avantage de ma classe, étant donné que c'est des petites... ruelle à courte et toute petite distance, donc c'est plutôt à mon avantage ça, mais je vous avoue que je n'aurai aucune pitié d'utiliser mon bazooka, je pense que là-dessus vous saurez pourquoi. Mais d'ailleurs cette classe Spitfire avec le tir rapide, okay. Ça joue Maddox en plus, oh là là. Et ça commence mal. Vous pouvez voir, vraiment, au corps à corps, elle fait ultra mal par contre, hein, au corps à corps, ça ne pardonne, mais absolument pas. Toutefois, ce qui est moyenne et grande distance, c'est très très compliqué de gérer ça. Étant donné que l'arme a énormément de recul, et en plus si tu lui rajoutes un tir rapide, elle a encore deux fois plus de recul. Mort. Enfin, grâce à la ligne. Oh d'accord, par contre, waouh. Et tu me termines vite avec ta Maddox. Ouais, tu m'as quand même mis 3 balles, gros. Et c'est 3 balles là de Maddox là. Va falloir revoir vos trucs là. Oh, quoi ce bug? What? Mais what? Non mais Activion, c'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus vous faites des rollbacks là en plein milieu de vidéo, on va pas s'entendre. Et on va absolument pas s'entendre, quoi là. Et ça dégage. Et il est mort. J'ai oublié en plus que je joue pas avec chargeur rapide. Parce que oui, effectivement, je joue avec la Spitfire de temps en temps. Enfin, les maps comme Morocco, comme Summit, j'aime bien jouer. On va l'avoir, est-ce qu'on va l'avoir? On peut l'avoir. Par contre, vu que j'ai pas fonceur, en fait, le Tomahawk, il est insupportable. Il est insupportable. Parce que normalement, je crois que c'est avec fonceur que tu lances tes équipements plus rapidement. Ajax supprimé. Attendre. Bon, d'ailleurs, on a la charge d'équipement, donc les Tomahawks arriveront un peu plus rapidement. Moi, pas que ça m'a compté. J'ai eu peur. Non, j'ai eu peur, mais vous pouvez voir, hein, vraiment la classe. Oh, c'est insupportable comme classe.
je fais un 2 de ratio, je m'en... Putain. Oh là 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 là. C'est insupportable, hein. Mais vraiment, c'est vraiment des défis, mais... Encore, je préfère clairement un sniper, hein. Je vous le dis ouvertement, je préfère très clairement un sniper. What? Oh là là. Tu vas pas me dire que... Ah non, lui il a une bonne. Lui il a une bonne Spitfire. Peut-être qu'il faut se la jouer un peu plus intelligemment. Peut-être qu'il faut chaque fois rechercher ça. Tu vas venir? Allez, viens. Je suis un doux. Ah d'accord, d'accord. Ah, je vous ai dit, hein, ça risque d'être compliqué. Hein. Ça risque d'être très compliqué. Ah, vous pouvez voir. Je n'aurai aucune pitié. J'ai dit, hein, je n'aurai aucune pitié. Ah, mais aucune. Aucune. Ça dégage. Ça dégage. Notre balise tactique est désactivée. L'éclaireur ennemi neutralisé. Tomahawk. Oh, je l'ai eu. Oh mon dieu, je l'ai eu. Je l'ai eu à travers. Je savais même pas que ça allait entrer, j'ai fait ça au bol moi. Peut-être attendre un peu. Ah non, dommage. C'est compliqué contre une Maddox, hein. Vous pouvez voir vraiment contre une Maddox. Oh. Et c'est très compliqué. C'est genre vraiment ce genre de classe, c'est vraiment impossible. Tu peux pas faire quelque chose avec ce genre de classe. En fait, c'est une classe juste pour t'énerver. Pour tester tes nerfs. Voilà, j'ai eu de la chatte. Ouais, c'est vrai que dans ce genre de situation, quand je gagne des fights... Je vais essayer de faire un truc là. J'avoue que le concept de Tomahawk, je crois pas que je l'ai compris. Torque supprimée. Ok. Ouais, bah, t'as pas compris qu'est-ce que j'ai entre les mains. En fait, c'est genre de... Non, non, non. Non. Oh, oh mon dieu, mais elle est chelou cette game. File en place. Balise tactique placée. Oh, laisse-le moi quand même. Attention, drone tactique ennemi active. Le drone commence ses opérations. Ouais. Ajax éliminé. Okay. Débrouillage. Allez, allez. On a eu l'hélico avec cette classe de ouf. Non. Non, dommage, j'avais fait série 10. Série 10 avec cette arme. Mais non. Mais non. Est-ce que c'est réel? Est-ce que nous sommes en 2 de ratio? Avec une classe comme ça et une partie qui bug. Oh là 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 là. Pas venir. Mais non, mais en plus, réussi à faire un truc de. Ça aurait été beau, ça aurait été beau. Si tu sortais ce stomach, ça aurait été beau. Attends, faut attendre que. Oh là là, non, 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 non. C'était un peu prématuré. C'était un peu prématuré de penser que je pourrais faire de grosses stats avec cette arme là. Que l'arme n'est pas fait pour, enfin que la classe n'est pas fait absolument pour. Ça dégage. Balise tactique ennemie détruite. C'est complètement impossible. Okay. Ok, à venir ici non. Ah d'accord, on s'est tué. Bon bah bienvenue sur BO3. Hein. Chacun peut se tuer. Foudroyeur ennemi en approche. Foudroyeur ennemi. Bon. Bon, on est quoi? T1 bombe? En MMA? T1 13? Torque supprimée.
Allez, on est en combien? 33-13. Franchement, pour une classe comme ça... Pour une classe comme ça, c'est compliqué. D'ailleurs, en plus, je carry mon équipe. Hein. Je suis top 1, premier. Tranquille. Tranquille, peinard. Allez, 2,54. Tranquille. Tranquille, j'ai quand même carry avec une classe de merde. Faut quand même le dire. J'ai quand même carry avec une classe de merde. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, que je regarde les vidéos, etc., je vais vous lancer un défi. Vous mettez, donc, vous décidez de créer cette classe, au cas où je vais vous la remontrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un challenge. Aux personnes, bien évidemment, qui jouent dans ce genre de mode. Vous avez droit donc à qu'une seule tentative, je dis bien une seule tentative, par rapport à ça. Donc, vous voyez de nouveau la classe, tout ce qu'il faut. Ce que vous devez faire, c'est super simple. Vous décidez de faire une game comme moi, donc il y a la TDM 85, donc ça veut dire qu'il vous reste normalement encore 2 jours, il me semble, avant que les playlists soient changées. Vous mettez dans le mode MME 85 avec la classe, et ce que vous faites, c'est que vous essayez de battre ce que j'ai fait en solo au bout de la première tentative. Moi, ce que je viens de faire, c'est là au bout de la première tentative. J'ai pas testé l'arme, c'était au bout du premier coup, j'ai fait directement la vidéo. Donc, essayez de battre cela, vous mettez en vidéo... Hashtag Loctet2Challenge, le nom de ma chaîne, et bien évidemment Challenge, hashtag Loctet2Challenge, vous mettez en vidéo et je m'amuserai à regarder ce que vous avez été capable de faire. Voilà les gens, c'était Loctet2, et puis je vous dis bye et à la prochaine, peace out.